Salut, mon nom est Jonathan Cortez, je suis réalisateur, scénariste et acteur dans Dernier Appel. C'est mon quatrième scénario, dont ma troisième réalisation. Tout d'abord, je vous remercie et je vous demanderai s'il vous plaît de laisser un commentaire quelconque, que ce soit positif ou négatif. Et puis voilà, bon film! Je suis rendue dans le parc, j'arrive bientôt chez nous. Anyway, ma batterie va bientôt finir, fait que... Allô? Allô? C'est écrit, je suis dessus. T'as compris? Donc, ça va bien? Gabi, elle est pas avec toi? C'est moi. Je suis désolé. C'est de ma faute. Si j'étais restée ici à Montréal, elle serait vivante. Arrête, dis pas ça. C'est vrai, si. Hey, même si t'étais à Montréal, cet homme t'aurait pris et tu serais peut-être mort aussi. Je m'en fous si je meurs. Écoute, c'était son heure. Quoi? C'était son heure? Au système que ça, c'était son art! Anthony, calme-toi. Je voulais pas dire ça comme ça. Si je pouvais retourner dans le passé en ce moment, je le ferais. Bon, je m'en vais. Salut, John. Merci. Pas de quoi. Salut. Allô? J'ai une solution. Solution de quoi? Viens à mon bureau demain. Ok. Mais pourquoi? Je te le dirai demain matin. Celui-là. Bye. Enfin, t'es arrivé? Non, tu peux-tu me dire pourquoi tu m'as appelé hier soir? Tu m'as dit que tu ferais n'importe quoi pour la sauver, n'est-ce pas? Ok, si tu m'as fait venir pour me donner la morale, ok, je m'en vais. Attends, j'ai trouvé un moyen pour retourner au passé. Je m'en vais. Attends, attends, tu ne veux pas? Tu m'as dit toi-même que c'est impossible d'aller au passé. Oui, c'est vrai. Mais récemment, je travaillais sur un projet qui nous permettrait de le faire. Tu parles au futur? Non. Je sais pas. Aller au passé. C'est pas dangereux, me semble. Non, 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 t'inquiète pas. Viens, je vais te le montrer. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. C'est avec ça que je suis supposé de retourner dans le passé? C'est faisable, ok? On a fait des expériences. Comment tu sais si ça marche? C'est quand tes expériences sont allées dans le passé, alors tu ne les as pas vues. Bon point de vue, mais je sais que ça marche. Attends, tu me dis que tu peux aller au passé, mais pas au futur. Alors comment est-ce que je suis supposé de revenir au présent? Voilà le petit problème. Dès que tu vas être là-bas, tu ne peux plus revenir. Jamais. C'est ton choix. C'est-à-dire que si j'accepte, je pourrais être avec elle? Techniquement, non. Ouais, mais tu me dis que je peux la sauver? Le sauver, oui. Mais être avec elle, non. Mais si je réussis, elle va rester avec moi?
toi, non. Mais Anthony du passé, oui. Anthony du passé, de quoi tu parles? Parce que tu vas dans le passé, donc Anthony du passé va être là aussi. Alors lui, il va être avec Gabi. Mais toi, non. Je comprends pas. Voici deux lignes de temps. Toi, t'es là. Et Anthony est ici. Nous sommes maintenant au présent. Et Anthony du passé est là. Si tu retournes dans le passé, Anthony risque de te rejoindre. Fait que là, si je la sauve, je pourrais pas être avec elle. Fait, oublie, là. Attends. Peut-être que tu seras pas avec elle, mais tu pourrais la sauver. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Pourquoi on peut faire ça? Comme tu veux. Aujourd'hui? Donne-moi 2 heures pour tout organiser. Adieu, Anthony. Adieu, John. Merci. Pas de quoi. Prêt? Il va rien m'arriver, je suis rendue dans le parc, j'arrive bientôt chez nous. Anyway, ma batterie va bientôt finir, fait que... Allô? 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 Elle a un peu de signal! Chris, je le tue. T'as compris? Gabi! The customer you are calling is unavailable at the moment. Please try again later. Shit, Anthony. Donc, ça va bien? Ah, Gabi! Ça va bien? Change what's been in